Bonjour Tata, une fois sélectionné au loterie Visa, nous-mêmes nous prenons en charge les frais de voyage, logement et autres. Oui, tout ce que les États-Unis te donnent, c'est le visa. Tout ce que c'est la possibilité d'avoir le visa, pas le visa même, mais la possibilité d'avoir le visa, tu dois être qualifié d'abord pour le visa et tout et tout. Et même si c'est toi-même qui dois chercher l'hébergement, l'argent de visa, tout ce qui dépend, c'est toi-même. Même celui qui va t'héberger ici, c'est toi-même qui va chercher. Sachez que ce visa-là, ça vaut des milliards. Pas des milliards. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais ce visa-là, il y a des gens qui ont l'argent qu'ils veulent, ils n'ont pas. Donc, c'est une très, très grande opportunité. Donc, la dernière fois, j'ai posté quelque chose. Quelqu'un me disait que donc c'est juste pour le visa, on va aller jouer. C'est pour, on va faire quoi avec visa? Déjà, moi, j'ai dit, bon, cette personne ne sait pas de quoi elle parle. Donc, oui, il te donne seulement le visa. Tu cherches. Mais ce visa te donne la possibilité de venir ici, de travailler ici, de vivre ici, d'aller à l'école ici, de faire tout ce que les Américains font, amener tes enfants, ta femme, bien ton mari, ton papa ou ta maman. Tu peux amener aussi tes frères aussi. C'est un long processus, c'est vrai, mais ce visa-là, c'est quelque chose de très puissant. Une grande opportunité pour beaucoup de personnes. Donc, et puis, en plus, bon, il y a des structures en Afrique là-bas qui aident les gens qui n'ont pas l'argent. On les prête l'argent, ils utilisent ça pour venir après rembourser. C'est une autre histoire, un débat à part. En tout cas, bon, je voulais juste t'expliquer, comme tu as vu la question. Je me suis dit que c'est une question intéressante. Ce n'est pas une question bête parce que, bon, beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est en réalité. Donc, c'est normal d'expliquer un peu.